Ça y est, le couvercle a été mis. Donc, petite prise mini USB qu'on va connecter. Voilà. Là, on va connecter le mâle et la femelle du chargeur. Voilà. Le chargeur qui est en prise. US, on va le mettre sur l'adaptateur français. C'est parti. Ok, ça commence à charger. Et là, normalement, ok, on a le petit émouache. On n'a plus qu'à attendre que tout soit chargé. Voilà, le voyant est vert. Le DVR est chargé. Bon, j'ai branché mon système FPV, donc je n'ai pas branché l'OSD puisque c'est pas utile. Donc tout simplement, l'émetteur, petite caméra qui va au récepteur, un écran. C'est un RC305. L'avantage du RC305, c'est qu'il a une sortie pour la télé et une deuxième sortie de libre pour, entre autres, brancher le DVD recorder ou un deuxième écran ou tout autre matériel. Ça, c'est l'alimentation en lipo du RC305. L'alimentation de la télé est également en lipo. Donc, le DVD-R, tout simple. Deux systèmes possibles. Soit on le connecte via la petite antenne, ici, 5-8 GHz, qui va se caler sur la même fréquence que le RC305 et choper toutes les images qui arriveront là. L'avantage, je peux soit le mettre ici et l'utiliser en enregistreur classique, soit carrément le poser en haut de ma radio ou sur le coude pour pouvoir avoir un visuel de mon vol. D'accord ? L'allumage est tout simple. Il va vibrer trois fois. Enfin, une fois au démarrage. Voilà, là il est pareil. Mais là, il est juste en visualisation simple. Je n'enregistre pas. D'accord ? Comme je disais, je ne vais pas utiliser la télécommande. On va faire ça en manuel, ça va aller plus vite. Donc là, je suis en position d'attente, c'est-à-dire que je vois, voilà. Je vais lancer la vidéo. Là, l'enregistrement, je le mets sur REC. Tout simplement, ça bascule en couleur rouge. L'enregistrement débute. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Je veux finir l'enregistrement. Soit je reviens en position play, soit je le coupe par là. Voilà. Et là, je suis à nouveau en position enregistrement puisqu'il reprend un enregistrement. Si je veux couper définitivement l'enregistrement, j'appuie sur le bouton B. Et voilà, ça c'était le système avec l'antenne. Maintenant, je vais faire le même système avec VideoIn. C'est-à-dire que là, on évite les perturbations si on a peur. Pareil, donc là, vous voyez. Et là, je suis en de suite, je suis reparti en enregistrement. Voilà. Donc là, lumière rouge. Je suis en train d'enregistrer via le câble et mon deuxième. D'accord ? Là, je coupe. Enregistrement. Voilà. Là, je suis en position donc d'attente. Je vais basculer pour lire, donc je reste sur on et j'appuie plusieurs secondes sur la lettre M. Voilà, one moment. Ok, ma dernière vidéo de 16 secondes est là. Je fais ok et je suis en train de la visionner ici. Voilà, alors ce qu'il y a, c'est que voilà, vous voyez que j'avais bougé, je suis en train de la visionner. Voilà, je vais couper. Ok, voilà, et je coupe maintenant mon DVD, DVR. Trois vibrations, il se coupe. Voilà. Autre chose, il a également une position AV-OUT. AV-OUT, c'est tout simplement par ce câble. Ce câble, ici. Je me branche sur la télévision et on peut voir la vidéo.
tout simplement comme si on lisait un magnétoscope. Je ne vais pas vous le montrer, c'est tout simple. On branche ça ici, on se met sur le câble vidéo, sur la sortie vidéo et audio de la télévision, on allume, on lit, c'est exactement comme un magnétoscope classique. Maintenant, on va regarder également, ici, il y a une petite clé USB, donc, une carte micro SD. Moi, j'ai pris une 16 Go pour être tranquille. J'ai branché la micro SD sur l'ordi. Alors, j'ai oublié de vous le dire, mais on peut prendre des photos également. Donc là, j'ai pris une photo tout à l'heure. Voilà, c'est qualité plus que correcte, puisque c'est en rendu, ça va. Et on va regarder la petite vidéo que j'ai faite. Voilà, on va la mettre en plein écran. Voilà. C'est plus que correct. Voilà. On va remettre là. Vous voyez. Donc, ce petit DVR est très très bien. Bon rapport qualité-prix. Je vous le conseille si vous voulez enregistrer vos vols à peu de frais.